Alors, je voulais vous parler de Frankie Adams, qui est un roman de Carson McCullers, qui est paru après la guerre en 1945. Carson McCullers, c'est un de ces écrivains américains que je trouve qu'on ne lit pas tout à fait autant qu'on devrait, parce que c'est à chaque fois une expérience merveilleuse. En fait, je l'ai lu il y a plus de 30 ans. À l'époque, j'étais assez jeune. Et frappé par le côté très théâtral de la structure et l'espèce d'économie de moyens, à l'époque je faisais du théâtre au lycée, je me suis dit que c'était vraiment un texte, c'était très présomptueux de ma part, mais qu'il y avait de quoi faire une adaptation théâtrale vraiment très 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 belle, quoi, je crois. Frankie Adams, c'est le titre français, c'est pas du tout le titre anglais. En anglais, ça s'appelle The Member of the Wedding, et c'est effectivement l'histoire d'une jeune fille de 12 ans, coincée dans sa cuisine, la cuisine de sa maison, entre sa nounou noire, qui s'appelle Bérénice, et son cousin qui s'appelle John Henry, et qui fantasme sur le mariage à venir de son frère. Le mariage doit avoir lieu le surlendemain, et elle est persuadée qu'elle va pouvoir partir avec eux, et qu'elle va changer de vie, et qu'elle va pouvoir s'échapper de cet univers totalement statique où rien ne se passe. C'est l'été dans cette ville du sud des États-Unis, ils sont tous accablés de chaleur, elle a grandi de 20 cm dans l'année, elle se sent devenir un peu monstrueuse, il y a quand même un côté un petit peu Alice au Pays des Merveilles avec ce corps élastique. Elle se dit que si elle continue comme ça à prendre 20 cm par an, à 18 ans elle fera 2,70 m, et c'est juste absolument inconcevable, on sent très très bien ce malaise, quoi, de l'adolescence. Je pense que Frankie Adams est un des premiers personnages d'adolescente qui est traité en tant que tel pour elle-même et pas comme un jalon dans le parcours de l'adulte qu'elle va devenir. Et en ça, elle est un peu une petite cousine du Holden Caulfield de Salinger, dont on a relu beaucoup dernièrement le L'attrape-cœur parce qu'il venait de mourir. Elle touche vraiment à une dimension universelle et elle parle à tous les adolescents que nous sommes restés à l'intérieur de nous.